de 10 heures. Je dis ça à des amis en privé. Je dis, ouais, si ça arrive, nous pas arriver à entendre nous pour nous provoquer des bagailles, pour contraindre Dr. Ariel Henry démissionner ou bien quitter notre pays, nous allons crier ça. Je dis ça, ouais. Et nous sommes là, regardez. Parce que mon bagage est problème pour on a décidé de retourner au pouvoir à jamais, non? Mais c'est qui sont à régler? Qui sont à faire? Nous d'accord sur ça, regardez. Qui résultat? Qui résultat? Mais là, il y a un problème, on est intéressé à mes pouvoirs, non? Ou bien on est remis pouvoir, on est, bah, on est, voulez marier à pouvoir, voulez prendre pouvoir, comme si pouvoir, maman, papa. Mais on aime ça, non? Mais qu'on y a là, qui aime pouvoir, rester au pouvoir, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour quel résultat? C'est ça que préoccupation. Pas que plus méchant passer ça, non? Guerrier. Ou juste vouloir être au pouvoir soit pour satisfaire l'ego ou bien tout pour satisfaire l'intérêt de l'autre. Soit ou même ou bien des gens qui supportent ou. Là, je parle de niveau international. Là. Nous avons un exemple, femme garçon. Ou connaît ou pas qu'à faire rien pour fille. Ou connaît fille à charger problème. Et ou connaît pas rien mais fille. Mais ou accepter d'être dans la ville quand même pour pourrir la ville guerrier. Ça qui était criminel derrière. Ma contre, vous comprenez. Ou continuer à faire des promesses à n'en plus finir pour faire le fait. Et profil bas, avec l'espoir que, ou qu'à fond bagaille pour lui. Et puis, t'as passé, jour passé, situation qui a vu mal. Ou à montrer l'OML, pour ton barème vrai, ou bien de l'autre bagaille à gérer. Fille à charger un problème, ou pas mal possibilité pour le. Démêler guette pour le résoudre le problème. Et au même non plus, on va aider le résoudre, on va résoudre les boulets. Et puis le pire, on constitue un obstacle majeur pour lui, puis on va rien. Avant l'autre nègre balavel qui peut-être qu'on va évoluer, ou estomac ou nerve. Avant l'autre nègre cotiser, fia qui bien aimé, fia t'as bien aimé, fait de grands sacrifices pour lui, ou qui est capable de croire. Mais c'est ça qui a privé avec le docteur Ariel Henry en pays. N'importe proposition ou est qui fait là, qui vise à changer de nio, Ariel a pris en face lui. Et puis il a venu avec tout artifice pour dire que il n'y a pas qu'à faire payer à ça. Par exemple, là où tu dis transition pas qu'à remplacer transition maintenant. Pourtant, dans la même équipe la dîme qui côté ça, en transition qui a fait 5 ans dans ton pays, sans pas organiser rien comme élection, quitter une principale mission. On va vouloir résoudre notre problème. On va prendre ce problème. Donc, il faut que le pays apprenne notre. Oui, dans quel niveau l'équipe ça lui-même, lui est souciant. Dans quel niveau il est signé. Dans quel niveau il est insensé. Il faut que le pays apprenne notre. Et c'est dommage, oui. C'est dommage. Nous pas gagner une classe politique consciente qui pourrait que je dis à comportement Ariel Henry, c'est dégalement qu'il y a. C'est minimiser le minimiser. Nous n'avons pas une classe politique consciente qui pourrait, c'est le moment où jamais vous avez conjugué pour bailler Ariel Henry une réponse musclée. Parce que pour Ariel Henry, il n'y a pas de pays, c'est l'autre monde. Pour Ariel Henry, il n'y a pas de l'autre secteur dans le pays que vous voyez. Pour Ariel Henry, il y a un grand monde qui doit rendre compte, il y a un grand monde qui respecte qui relie la communauté internationale, particulièrement les États-Unis. Il n'y a aucun respect ni pour le pays d'une façon générale, il n'y a aucun respect pour chaque citoyen, il n'y a aucun respect pour aucun secteur dans le pays. D'ailleurs, c'est un premier ministre qui est impopulaire sur toute la ligne. Je ne vais même pas parler de code de popularité qui est baissé, puisque le Badjam gagne. Il est impopulaire sur toute la ligne. Quel que soit micro-trottoir où tu as décidé de faire matin, quel que soit secteur où tu as décidé de questionner matin, pour dire ça, il y a pensé de Ariel Henry, il y a besoin d'Ariel Henry, ils sont irritants carrément. Il y a besoin d'Ariel Henry son Wagner, il y a besoin d'Ariel Henry son équipe qui va payer rien pour lui, il y a besoin d'Ariel Henry son usurpateur, il y a besoin d'Ariel Henry dis les dates. Donc on est comme ça, qui n'a pas de pays. On t'a qu'à dire, s'il t'a voulu aider, même si on t'a assimilé le comportement avec dictature, on t'a dit son dictature éclairée, il t'a tout profité pour payer un coup de main, il n'a pas de gérer quelques problèmes. Pour de bon. Mais, li wè tèt li wè moun ki avèl yo
qui a dit yes sir, oui chef, et puis la communauté internationale. Tu vas aller ajouter quelque chose, oui, Adjani. Même question m'a posé Johnny. Et Jean, situation un peu compliquée là. En pile jeune fille que jeune garçon a questionné pour qu'on ait, est-ce que le pays d'Haïti son pays que vous capable de et surtout là où que la vie nous a banalisé nos pays, donc son pays pour ta questionner. Moi-même, m'a suivi avec un pile intérêt et m'a tendé tout. Et comment plusieurs ont parlé tout concernant ça, m'a regardé pour moi, mon cap quitte zone, et chaque jour, mon démété, et si mon cap traumatisé, femme a violé, garçon tout, il continue à faire méchanceté. Moun ki pa ka travesse aucune zone pour aller dans l'autre zone sans que ou pa di que ou a risqué passer quand même. Moun pa ka manger, situation compliquée dans chaque jour. Ariel n'est pas au courant, ma sœur. Payer Ariel n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. Et même s'il t'a au courant, c'est pas priorité. On te dit ça dès le départ, oui. Priorité pouvoir ça, priorité gouvernement ça, priorité équipe ça, c'est garder comment ou ka passer plus temps sous pouvoir. Ou bien comment yo ka faire passer le temps pour yo rester au pouvoir le plus longtemps que possible. C'est ça la priorité, oui. Quel que soit ça ou yo gagne comme discours public, li résume à ça ou mzou la. Et pas gen moun ki ka fè m kwè le contraire, non? Même 31 août 2025, ou tande Ariel Joul vle organiser élection, son souhait, oui. Oui. Ça veut dire les conditions là des bagailles. Oui. Yeah. Ça veut dire que ça, si ça yo posé comme condition yo pas respecté. Donc 2026 n'a pas l'air à la guerre doit son blague, oui. Yeah. Qu'est-ce tout. Ah, me voulez la République noter ça. Par exemple, dans l'article Miami Herald là, Philippe Davis, le premier ministre des Bahamas, lui dit clairement que pour atteindre l'objectif Ariel Henry, d'abord doit gagner une commission qui a constitué au niveau de CARICOM, qui a soutenu par les États-Unis, les Nations Unies et l'OEA, pour venir en Haïti, pour faire une évaluation, pour être capable de planifier ces réélections. Donc c'est après rapport, comité ça ou bien équipe ça, ils ont pris à le connaître, est-ce que l'élection est possible dans la date à y en arriver organisée là. Dans ces conditions, ils sont réunis. Réunis. Je voulais la République noter ça. Donc pas étonné que bon gens nèg yo vinn là et puis yo provoqué ba yo et puis autant des commissions en font rapport là qui dit ah Jean Barreau est là et semble ba la prend plus temps que prévu. Gèlè en 2026 n'a fait élection vite. Ça va pas déranger ni Ariel ni équipe non. Yo confortable mon cher. Non mais toute force, Johnny, c'est parce que la population a prévu abdomi toujours. Moi, je suis un bagaille. Attends, nous sommes Saint-Fleur. Et je suis bien content qu'il est arrivé là parce que c'est l'État qui a fait conclusion. Moi, je suis un bagaille. Je dis à la Anissi, mettez pied à terre. On a parlé de politique pure. Après Ariel Henry fin passé, 4 février 2024 là, on a toujours dit que yo pou ka crier victoire pour voir eux toujours été fragilisé. Yeah. Mais maintenant on pose cette question ça. Qui ça qui ka camper Ariel Henry sous course li? J'aime monsieur a avancé là ni dans parole ni dans action ni dans comportement qui ça ka mettre de l'eau dans du vin gafrenel en essayer réaliste. Là on a parlé de politique. Oui. Li pas un secret pour personne. Équipe qui l'a bénéficié d'un soutien sans pareil de la communauté internationale, particulièrement les États-Unis d'Amérique. Nous d'accord sur ça, pas oui? Très clair. Premier cas de figure qui a fait au moins pays à les débarrasser de Ariel, c'est si communauté internationale la guerrier, l'État insatisfait de performance, monsieur. L'État arrive au moment où il juge que monsieur a une équipe li inefficace. Et puis yo ta la gueule, yo quitte la casse d'elle. Et puis yo même yo prend l'autre disposition, yo vient dans l'autre monde qui probablement capable d'appliquer agenda ou plus bien. Ça c'est premier cas de figure. Deuxième cas de figure là. C'est si tu as gagné un mouvement spontané en de pays.
c'est pas révolution bon cathédrale n'a vinn parler dans radio faire macaque vous comprendre annoncer la couleur mobiliser tout le monde vous comprendre créer suspense faire un petit malheur pour le grand messi et puis après deux semaines toute bagaille reprendre vous comprendre faire l'école fermée pendant des mois pendant toute entreprise publique qui va fonctionner pas de ça n'a parlé d'un mouvement digne de ce nom côté moun ba vinn faire jamais dans radio après radoter excusez l'expression et puis lève vos matin blow un mouvement spontané qui initie un pays et qui est capable de provoquer bagayou faire la communauté internationale changer de position puisque c'est Washington en particulier qui a supporté Ariel et puis laissez-vous mettre au devant on fait l'accompli et laissez-vous pas bien l'autre choix troisième cas de figure guerrier de seul c'est ça en pile mon a prôné depuis longtemps ça où est l'éclatement social là et à ce moment là c'est peuple là qui a pris destin en main c'est peuple là qui a décidé. Jean ça peut être fait dans paquet l'autre pays notamment en Afrique. Côté qui des gouvernements qui étaient là qui a frappé qui a fait tout ce qu'on est qui lié à question mauvaise gouvernance qui a mené pays dans chaos et puis au bon moment entendu peuple a révolté. Et les peuples a révolté, m'a pas bon menti. A bien des dommages. A bien des victimes. Collatéral ou pas. Mais si c'est un leader politique, ou bien des leaders politiques, si c'est une opposition politique qui constitue de M. Sahé ou bien M. Dame Sahé qui dit qu'on fasse Ariel là, on va le miser sur eux pour déranger Ariel Guerrier. Fais-moi confiance. Retirez 3-4 figures Sahé. Ariel là, vous n'importe 2030-2050. Ça fait demander. Et qu'on y a, oui, Ariel Bral, ou Al Bral Empire, ou Al Bral tout bas dans le pays. Oui, mais ça fait me dédouter à la journée, c'est parce que la population n'endormit toujours. Donc, comme qui écrit Johnny Lydie, pour me dire comme ça, c'est deux façons pour le premier ministre qui est capable de faire élection dans le pays. C'est soit sur Facebook ou bien sur WhatsApp. Non, il n'a pas parlé de beaux élections. Mais élection, je ne sais pas qui c'est. Élection n'a pas besoin de faire d'après vous. Vous pensez que c'est pour faire peuple à exprimer le tout de mon vrai? Vous mettez mon pas où? Continuez à gagner pour vous. Vous avez une élection qui est les États-Unis, il y a où à la donne. Vous comprenez ça, il y a déjà des gens, mon cher, qui veulent pour sortir dans l'élection, mon cher. Il y a organisé une élection à la dimension de l'attente, de l'exigence, de désir, de l'attente. C'est ça, oui. Quand tu as été dans tout ça? Ah bon? Question ça, je vais poser les tout. Je vais poser guerrier avec Pigan. Et même si c'est de l'hypocrisie ou de la diplomatie, dans l'article Miami, là, où est Philippe Davis ou bien Ali Irfan, par contre si c'est yon ou l'autre, yon dit comme ça que faut acteur yon suspend, mettez devant ça, yon besoin, mais plutôt pour yon mettez devant ça Haïti, besoin. Yon dit on va comme ça, pas journaliste là. C'est pour qu'on répondre à la question yon. Donc yon font constat, c'est yon qui chita avec acteur yon, yon font constat. Et qui ça constaté, c'est que acteur en place ou bien acteur en face ou bien protagoniste ou relé ou j'en voulez à aucun moment n'en pour parler ou pas fait d'Haïti en priorité c'est ça n'a yo dit et pas pour sa raison qu'il faut parler de concessions nécessaires. On ne peut pas obtenir tout ce qu'on veut et n'a yo dit ça yo commence à parler d'ailleurs pendant près de 5 fois yo vin là yo chita parler avec des nègres qui dessinaient des accords etc. pour demander yo joindre un accord entre eux pour capable ba payer en l'autre orientation et du coup initier un processus politique un processus démocratique dans le pays. En tout cas moi-même moi veux le pays à prendre note de nouvelles promesses à Ariel faire. C'est vrai, ça n'a pas étonné, mais même là encore, je pense qu'Ariel voulait faire plus tant de jours. Que 2025 là. Que 2025. Oh mon gars, je dis ça, m'a dit là, je pense qu'il voulait faire plus. Et ça fait ce dire à tout Johnny, montrer que tout mouvement ou bien soulèvement qui était gagné pendant 7 février, ça prouve une autre fois que c'est une façon pour permettre pour ça enrichir ta plus bien. Ah mon cher. Ils ont balak pour le faire, monsieur, dans l'opposition à mal. Je ne dis pas qu'il y a des nègres vraiment qui sont en opposition à Ariel. Pourquoi je viens plus ou moins des nègres qui, relativement, honnêtement, qui n'ont pas gagné moyen politique. Il y a des mercenaires qui prennent au libre.
sous prétexte que vous voulez voir Ariel aller, qui voulait faire comme. Nous avons des nègres qui voulaient créer le leadership. Nous avons des nègres qui ont géré l'élection. Même bon garanti si demain matin, il y a une élection. Depuis que vous a fait l'élection, quand même, vous allez. Vous êtes obsédé. Même si les conditions ne sont pas réunies. Bon, il y a une façon pour faire les conditions réunies. Il y a une façon pour faire les conditions réunies. Alors, pensez si monsieur voulait faire l'élection demain matin, là, vous avez fait. Oui ou non? Si Blanc, ensemble avec Dr. Ariel Henry, voulait faire l'élection tout bon, vous n'avez pas fait. On y a madame comment? Yo kon tout moun pou yo rele, OK. Yo kon tout moun pou yo rele guerrier. Et yo kon comment tout pour faire gang yo? Pour faire zam yo bébé monsieur. Nous j'ai me dit ça récemment. On gon sous proche gang yo qui dit yo même y a renforcer davantage pour les forces à venir pour négocier avec yo. Ça dit pour être comme on force qui ça, on force politique qui va le donner même. Ah, on est guerrier. Et c'est pas dans le même. Au sujet, je me dis, nous, lundi dernier, Ariel a obtenu force là, et pays a obtenu force là, même gang a obtenu force là, nous, c'est blague, nous avons fait. Je vais constituer tête en force. En force, pour négocier avec eux, parce que je connais, nous, on va venir battre avec eux. Et bien, il a négocié avec eux, il a fait, fait ça, mieux, bébé, ben, autre. Il a organisé l'élection, à mon givre, il a mis le président par eux. Ou a bien un petit calme pendant temps pour aller à l'élection et puis après ça les forces là aller. Nous allons dans la crise du ou pas l'autre groupe qui vient en face à Gabriel là-bas. Problème. Et pas moi-même, nous qui inventé. On garde des cycles là comme on a tourné pour nous. On garde de ça. Par contre, et c'est dommage pour le pays. Pour reprendre Adjani, où est Haïti dans tout ça, c'est dommage. Vous comprenez? C'est dommage. Il va crier, non, Adjani? Non, c'est situation. Adjani, il va crier, non? Situation, parce que je connais dans tout pays qui est dirigeant. Donc, les grands problèmes qui posent, dirigeant ou là pour satisfaire les citoyens. Dirigeant là pour bien diriger en cité. Donc, et Haïti, je ne sais rien, aucune volonté soit politique pour gérer ça. Et moi, je me questionne qui a venu, jeune, dans nos pays comme ça. Qui a venu nous-mêmes qui dit que nous c'est haïtiens. Or, c'est un haïtien encore qui a gouverné nous encore. Donc, c'est merci, M. Volsi. Tu as parlé de Guyane, c'est Guyana. Merci, merci M. Volsi. Gros ami, il dit, les citoyens ont dit, PHTK là pour 25 ans. L'idée pour elle pour blaguer là et pour tout. Pas que vous êtes ça. C'est le monde qui boit qui pourquoi Ariel pour aller 7 février 2025. Pour pas que c'est pas fait dans 3 ou 4 mois. Pas merde de la vie dans le monde. C'est dans la merde des PM. Ouais, pendant que vous parlez de pas merde maintenant, guerrier, et Adjani, par contre, non, si je dis ça déjà dans l'espace, ça même dit ça en privé avec des amis, je dis ouais, on a minimisé pas merde. Nous, on a péri, monsieur, l'a parlé. Mais quand il va, monsieur, il répéter. Et t'as le temps de oui. Ou bien, il a planifié. Non, monsieur, il va, comme si on était. Nous-mêmes, nous pas prendre le sérieux, mais en dégrillant tout, l'abdi, nous devons gagner. Monsieur, parlez de 2025 déjà. Monsieur, parlez de 2025 là déjà, gagner. Effectivement. Ça va étonner, mais l'élection a commencé à faire tout en donnant des blocs à répéter. L'élection pas bon. Il a pu faire l'élection, il a pu prendre temps pour remonter l'autre conseil, temps passé, etc. C'est Haïti quand même. Vous comprenez? Bonjour, okay. Bonjour frère femme 2026, Ariel pas pris mettre pouvoir, il peut passer le bail maintenant. Blanc van Ariel pays, hein? Pas blanc van Ariel pays, il est plus facile pour Ariel pays. Pour Ariel Henry van blanc pays. Vous comprenez? Mais côté haïtien, Johnny. Il y a peut-être email. Voilà. Je suis là, il y a peut-être email. Côté soi-disant dirigeant ou bien opposition, yo. Même qui dans l'opposition. Yo là, oui. Il y a un Captain Job. Il y a un Captain Révolution. Et nous-mêmes. On a marché à ce qu'il y a nous en bas, nous avons la mort. Oui, bonjour, Gary. Bonjour, Johnny. Bonjour, Adjani. Bonjour, tout le monde. On a fait suite avec mise en contexte là pour nous parler à qui ont dirigeant politique. On a parlé de Clarence Renoir, dirigeant parti Unir, qui est en direct avec nous. Clarence, bonjour. Bonjour, guerrier. Bonjour, Adjani. Bonjour, Johnny.
et salut tout auditeur, tout auditrice RTVC. Dernière évolution qui gagne dans l'actualité politique là, c'est engagement Ariel Henry prend pour organiser élection générale dans le pays pour Pita 31 août 2025. Et c'est pays membre CARICOM qui a annoncé ça hier mercredi en enfin 46e réunion ordinaire qui était déroulée dans Guyana. Réaction? Bon, écoutez, c'est pas une surprise que lié. Nous connaissons que le Premier ministre Ariel Henry, depuis le premier jour, il est entré comme Premier ministre, c'est ça le tap fait. C'est repousser échéance, et nous allons voir les conditions qu'il crée pour ça, pour le faire le plus, pour le rester le plus longtemps possible au pouvoir. Et je souhaitais que le peuple haïtien prenne note, car l'histoire prend note tout, que nous avons un monde qui est premier ministre dans le pays, après la mort, assassinat brutal, odieux, un président, qui au lieu de prendre l'initiative pour rassembler la population haïtienne à travers organisations politiques, sociales, économiques, religieuses, pour lui déterminer ensemble l'avenir démocratique d'Haïti, pour nous retourner dans l'élection, eh bien, il crée, il alimente l'insécurité pour qu'il arrête au pouvoir. Ça, son cynisme à nul autre pareil. Le Premier ministre Ariel Henry était bien connu côté le besoin arrivé. Et avec lui, il y a un gros complice pour nous désigner, c'est la communauté internationale. Qui kembile sous pouvoir à travers des accords qui ne veulent dire rien, mais qui pour repousser une échéance et qu'on y a. Nous sommes dit d'ailleurs là, c'est vous-même qui dit le Dieu seul, il prend engagement. Moi-même, je mets un point d'interrogation des engagements, parce que ce n'est pas la première fois. Ariel Henry, comme premier ministre, prend engagement, il prend à travers des accords qu'il fait publier dans le moniteur, pas gagner voix plus sacrée pour la République que ça, nous, pour publier des décisions de l'État. Le moniteur, il va jamais respecter. Qui ça dit le gars respecter qu'on y a là, ou engagement le prend devant CARICOM pour le faire mounio et retourner peut-être sous déclaration que vous avez fait, vous avez fait monsieur Ali, vous monsieur Parité, etc. Donc ils font une déclaration pour le faire au plaisir. Mais le Premier ministre Ariel Henry, pas d'intention par le pouvoir, et lui montrer à plusieurs reprises, lui montrer à travers deux accords que le sien. Et là, vous permettez-moi de lancer un appel. Et on connaît que il y a un peu de travail qui a fait dans le pays, il y a un peu de groupe qui a essayé de réunir, c'est pas facile parce que parfois il y a des petits détails qui divisent les haïtiens, qui fait que pas qu'à jouer une solution en commun. Même d'armes parler avec les bénéficiaires du pouvoir. Monde qui, pendant certains temps, a demandé population, monter barricade, c'est avenir jeune, boule fermer l'école, faire pays à bloquer, ça aurait les pays locs, je dis à, ils vont entrer dans le silence complice. Donc gouvernement dictatorial, autocratique, qui a sacrifié la population haïtienne, non, pour créer conditions pour que l'élection pas faite. Ma, quand il va poser question, mais m'a rappelé, peut-être, il y a un témoin qui parle encore aujourd'hui à là, il est décédé, c'est Éric Jean-Baptiste que je me songeais, mais il y a Jean-Renel Sénatus qui était là. Nous étions trois qui ont été invités dans l'ambassade américaine pour nous faire une analyse avec nous de situation pays. Et ont demandé nous. Qui j'en ouais bagaille ou pas le fait. Moi, je me rappelle que je me dit que question insécurité, ça a son piège que le bralier. Parce que le monde qui est sous pouvoir, il va alimenter l'insécurité pour le garder le plus longtemps possible. Évidemment, moi, j'étais loin de penser que nous avons passé une échéance de 5 ans dans le mandat présidentiel, dans le vide, dans le flou politique, mais c'est ça que nous constatons là. Insécurité qui est dans le pays, son insécurité instrumentalisé pour des raisons politiques pour les gens qui sont au pouvoir continuer à être sous pouvoir et mener le pays à mon côté où l'Ibagué a rien pour le dire c'est accepter une force internationale qui vient il a fait tant bien pour le faire dans le pays sans que nous ne préparions rien faut le pays à noter faut la presse noter que le Premier ministre Ariel Henry fait pays d'Haïti perdu 3 ans déjà mais il prend 2 ans encore l'Allemand pour le faire pays avec 10 ans toujours parce qu'il va régler rien. Donc, période de transition, son période nous préparer l'avenir, et bien là, pas grand rien préparé, sinon, mandé communauté internationale là, voyez troupes kenyanes, voyez troupes béninoises, voyez troupes caribéennes dans le pays d'Haïti, viennent souiller sol indépendant nous, qui mettez-nous dans une situation de soumission totale, et bien,
c'est ça les bail population. Mais il faut que nous reconnaissions que il y a un pile effort, un pile effort qui était fait de bon côté des acteurs politiques parmi lesquels et Union la donne. Et il y a l'autre qui la donne encore, Mbaplomé Noyo. Là, nous étions à la Jamaïque, nous essayons de discuter pour nous jouer une résolution à la crise là pour ne pas arriver. Non, un gouvernement de M. Ariel Henry qui a quitté la population, sacrifié, quitté Pounio, perdu Kayo, et boulé Moun, et torturé Moun dans le kidnapping, pour être une grande raison pour le plaisir du roi Henry, pour le rester sous pouvoir le plus longtemps possible. Alors, il y a des gens qui croient que nous, dans le niveau opposition, nous pas de jamais arriver, mettre tête nous ensemble pour créer ça y aurait les véritables forces pour offrir une alternative. Hein? C'est une opposition sans stratégie, pas gagner donc une opposition solide en face à Ariel Henry. Et nous connaissons. Politique, c'est un rapport de force. Donc, est-ce que nous, à niveau classe politique, là, nous pas gagné, on dit, on responsabilité dans permettre que Ariel était là, sans pas régler rien, et faire un mandat présidentiel? Certainement. Mais m'a dit que, et m'a gêné pour me dire que classe politique, là, et que je dis à, malencontreusement, moi, là, Dani, et qu'on responsabilité dans sa capacité, là. Mais, faut d'abord nous reconnaître tout que qui a responsabilité à ces communautés internationales là qui gagne. Parce que quelle que soit la formule de solution que le parti politique a proposé, eh bien, il n'y aura jamais accepté. Donc, il y a un pile d'efforts qui fait que moi témoin de ça, moi travaille en pile avec des groupes qui passent des nuits, des jours, qu'on y a ces des années, n'a discuté pour nous essayer des formules de solution. Et ceci, pas seul, mais avec le premier ministre Ariel Henry aussi, mais il n'y a jamais voulu. Et m'a dit au Jamaïque, il y a des efforts importants que l'opposition, ça nous est l'opposition. Je vais m'en un petit mot sur lui parce qu'il faut que nous tirions au clair, ça nous est l'opposition. Hein. Et il y a des efforts extrêmement importants qui étaient faits pour essayer de nous être capables de faire une cohabitation avec le Premier ministre Ariel Henry, mais dans une structure de gouvernance qui est équilibrée, et bien, je vais l'accepter. Donc la souffrance peuple haïtien, humiliation pays d'Haïti à point, c'est la responsabilité d'Ariel Henry. Certes, gain des leaders politiques qui a bénéficié du pouvoir et qui a créé les conditions pour l'arrêter le plus longtemps possible. Et il va me gêner, non, que c'est lui qui était 10 ans. Il va me gêner. Il suffit que vous gagnez machine l'État dans le meilleur, il y a sécurité l'État dans le meilleur, il y a l'argent l'État dans le meilleur, plus fait ça, vous voulez. Donc, ils sont foutent du pays. Donc, l'opposition, on gagne malheureusement une interprétation haïtienne qui fait de l'opposition, d'aller me tirer ça au clair, parce que moi-même, moi, dans l'opposition. Moi, je suis une opposition non violente. Moi, une opposition qui choisit faire dialogue pour nous arriver à résoudre des problèmes pour ne pas passer par la violence destructrice qui va mener le pays à aucun côté. Je ne sais pas si c'est l'opposition qui prend un samnan, opposition qui a manifesté, qui m'a dit déchouquer à qui c'est l'opposition. Non. Opposition institutionnelle qui m'a dit, malgré qu'on n'est pas d'accord avec le monde, il faut chita, discuter avec, chercher des solutions. Pour Haïti. Et voici la réponse à cette question. Je me suis mis une série de textes qui étaient publiés dans le journal. Et Haïti dans tout cela. Mais Haïti dans tout cela, c'est capacité leader politique, nous, opposition et pouvoir, secteur privé et autres, pour nous chiter ensemble, pour nous déterminer l'avenir en commun d'Haïti. C'est ça, l'opposition. L'opposition, ce n'est pas crasé brisé. Nous avons une histoire, une historique d'opposition dans le pays qui fait que justement, c'est toujours les âmes, c'était Kako, c'était Piquet, c'est Zinglendo, c'est l'ami rouge, c'est gang, c'est ça qui observe l'opposition. Non, il faut que nous institutionnalisions l'opposition pour nous moderniser de telle sorte que, eh bien, je suis à parler avec vous, même si je ne suis pas d'accord avec vous, mais nous chercher en commun qui sont capables de joindre pour Haïti. Évidemment, il faut que des deux côtés gagnent ça n'a carré la bonne foi. Il n'a jamais eu de bonne foi du côté du premier ministre Ariel Henry, parce que les gros plans en tête, il faut qu'il était seul sous pouvoir, il ne va pas partager avec personne monde pour que il ne pas fragiliser position, la préserver quelque chose que je ne saurais nommer ici, mais au senti que M. Gonf fébrilité des codiles partager pouvoir, l'idiot, c'est l'article 149, c'est le Conseil des ministres qui est président, moi-même son premier ministre, donc je suis président à la fois et premier ministre en même temps, il va partager pouvoir. Mais je peux vous garantir, messieurs, dames, que l'opposition, en tout cas à laquelle j'appartiens, que tout le monde connaît, que côté me camper, eh bien, nous faisons des efforts, côté nous marcher,
nous rencontrer, nous parler, nous discuter, que ce soit en direct, en présentiel ou bien virtuel, nous discuter avec eux, nous discuter pour nous si nous avons une solution, car épargner vie peuple haïtien pour ne pas quitter mon mourir, malheureusement, il y a quelqu'un que l'histoire doit retenir. Il faut que le peuple haïtien retenir lui. Le pire dirigeant politique que nous jamais dans le pays, en tout cas depuis mes connaissances, au cours de ces 40 dernières années, il va même Duvalier. Parce que Duvalier était gagné, on pouvait avoir tout le monde comme ça. C'est Ariel Henry qui l'a. Ariel Henry préférait sacrifier la population haïtienne non, pour lui être au pouvoir. Il préférait sacrifier honneur pays. Il préférait sacrifier souveraineté pays pour lui être au pouvoir. Et c'est ça qu'on a constaté aujourd'hui à la, avec déclaration le faire. Et pour qui ça, et Clarence Renoir, selon la communauté internationale, l'a été attaché à Ariel Henry, parce qu'on parle avec eux, l'obtendez, qui ça selon vous qui fait gagner tout attachement ça, tout l'amour ça. Belle question. Belle question, guerrier du seul. Moi, je pense que la communauté internationale là font mauvais calcul par rapport à Haïti. Et on peut me dire là, des barrières que je ne pensais pas, d'après elle dit, mes questions sont tellement judicieuses que je suis obligé d'aller vers ça. Dès les premiers jours de, après le président Jovenel vient assassiné, moi, et en Haïti, le montrer, moi, j'ai eu plusieurs invitations vers des rencontres, parmi lesquelles j'ai rencontré le premier ministre Ariel Henry. Et j'ai rencontré la communauté internationale là tout à travers plusieurs ambassades dans le pays d'Haïti. Maintenant, calcul communauté internationale là, c'est que le pays d'Haïti est un pays normal, au premier ministre qui est au pouvoir, donc probablement, il va lui mettre un accord, il va l'entendre avec tout le monde pour que il détermine, il définit. On est capable de dire, feuille de route transition qui va le mener le plus vite possible à des élections. Et ceci m'a dit où il faut comprendre aussi l'hypocrisie de la diplomatie. Et dès qu'on réunion qui est faite devant toute classe politique haïtienne dans l'ambassade américaine en septembre 2021, côté Brian Nichols dit, il a présenté excuse à la population haïtienne dans ce que c'est qu'il a toujours pris une décision. Fois ça, il a demandé nous pour nous prendre une décision nous-mêmes. Mm-hmm. Pour nous entendre, nous pour nous faire une décision. Pour nous prendre une décision. Mais le mauvais calcul est que la communauté internationale a pensé que la formule démocratique qui est appliquée aux États-Unis, en Europe, les capables d'appliquer là dans le pays d'Haïti. Non. Dirigeant yo, qui en Europe qui a dirigé pour le pays yo, ou aux États-Unis qui a dirigé pour le pays, ce n'est pas le même type de monde ça on gagne dans le pays d'Haïti. Sociologie, anthropologie pays a fait que le monde qui l'a dans là la plupart du temps, malheureusement, c'est toujours mauvais grain que nous gagnons sous pouvoir. Il n'y a pas réfléchi même gens, il n'y a pas agi de manière rationnelle et logique selon la formule démocratique qui gagne en place dans le pays étranger. Donc je pensais que, on est qui premier ministre en Haïti, Ariel Henry, qui sortit dans le pays qui est en bas, le président assassiné, par économie, ceci, cela, je pensais que monsieur va logiquement faire un bagaille. Il a dit monsieur Navarre, ça m'a dit de manière en surface, hein, ça m'a dit à là. En fond, on va commencer à parler en fond. Et note de. Allô? Allô? Donc, il a perdu contact avec Clarence Renoir, dirigeant parti Unir. Allô, Clarence? Voilà, nous avons perdu contact avec Clarence Renoir, coordonnateur national Unir, qui est tapé parler avec nous donc pour commenter l'actualité qui est dernier évolution, c'est engagement Ariel Henry prend pour organiser élection générale dans le pays pour PITA 31 août 2025. Donc c'est possible pour Ariel Henry à remettre pouvoir dans l'année 2026, donc 2021-2026, 5 ans, donc au mandat présidentiel pour citoyens qui peuvent passer dans aucune élection. Nous, on t'a essayé et dans des positions compréhension Clarence Renoir sous dernière évolution. Bah, qu'on est à Adjani Sourivé joindre Clarence, sinon
n'a pas gardé Sinta joint de l'autre réaction sur sujet ça à savoir dernier évolution qui gagnait dans niveau politique là avec déclaration ou bien engagement Ariel Henry prend devant pays membre CARICOM c'est hier yo annoncé nouvelle bon ami il dit semble je sais me priver pas de compte secret Ariel Henry qui fait le mon année cette fois un an de fait seulement Non. Oh, ben, trois mois. Trois mois au déballé. Et là, je rive, probablement, je vais. Il était. Il était. Alors, après trois mois, depuis que le Parlement a gagné pour te renouveler et mandat, c'est d'accord à considérer comme ça. Pour songer pas de bien dans une séance qui est faite. Non, les jeunes, ils vont deal. Un deal qui est fait, mon cher, à l'époque, on paquet parlementaire soutient à ça, soutient à si, n'ayons pour le ministère de planification là, on va y aucun bilan otage, vous comprenez. Pas de jambes, une séance qui est faite. C'est depuis longtemps qu'on a fait l'obé. Hein? On a fait matière. Ouais, on a fait matière. C'est depuis longtemps. Eh bien, Ariel, je vais remettre, dit le papa, il a pour pita. Oui, vous pouvez joindre les clients, c'est... Allô? Oui, allô, je suis là, je suis là. Oui, oui, alors, et une communication... Bon conclu. Oui. Oui. Allô? Oui, moi, là, oui. Oui, vous mettez conclu, vous mettez, continuez à répondre à la question. Alors, par contre, côté, je suis arrivé, tu es seul, mais m'a dit que la communauté internationale, là, il y a une grosse responsabilité dans ce qui a passé aujourd'hui dans le pays. Hein. Ça que tu prévois pour tes fêtes, moi-même, j'ai rencontré plusieurs autres groupes dans la communauté internationale, là, qui te voulaient déterminer qui ça t'a fait pendant la période de transition, ça, hein, pour capable de remettre en place institutions politiques et démocratiques pour que Haïti retrouve stabilité. Alors, c'est là que je dis au trompé, oui. Ça a été prévoit, reconstituer la justice haïtienne, reconstituer par exemple un bon conseil électoral qui est équilibré, que tout le monde d'accord avec lui, et mettre toute institution ça au campé, non-gouvernance équilibrée, et côté on est capable de dire qu'il va créer conflit entre classe politique là, pour nous aller vers des élections. Mais qui ça nous remarque, messieurs, dames, capitaine des lames, auditeurs, capitaine des, tout le monde capitaine des. C'est pas rien que réalisé dans le pays pendant 3 ans, 30 mois que se passé là, 31 mois, 32 mois. Pas rien que réalisé en termes de préparation pour l'aller lorsque nous avons dit que nous allons faire l'élection vraiment 2025. Et moi, j'ai dit au mot sous août 2025 là, tout à l'heure, avant de finir. Mais pas qu'une mise en place qui fait réellement pour consolider, on est capable de dire, expérience démocratique qui est longue, qui est pénible, qui... cruel pour les pays qui fait là, qui mange un pile monde était et perdu la vie. On va déterminer qui ça encore perdu. Mais qui ça a mis en place là, pas grave, non. Pendant 30 mois là, qui ça premier ministre a fait qui montrait que le lalé pour gagner des structures qui mettent en place, qui peut permettre que par là avancer, rien n'est pas réalisé. Maintenant, on te dit le commencement, pas grand-rien qui fait pour le monde quoi là, que l'engagement ça va le respecter pour. Ou, 2025. Cependant, m'a dit, nous-mêmes dans UNIR, oui, nous pensons que faut qu'il y aller. Cependant, nous pensons tout que si nous sommes capables de jouer un consensus national, une formule qui vous permet que bon équilibre de pouvoir, même s'il est là, ça ne va pas déranger personne, non, s'il est là. Mais il faut que, alors, pas qu'il ne va pas déranger personne, ça va déranger dans pile monde que le Dala. Mais c'est pour pays, il si y a des capteurs nous équilibre qui permettent que libéral font élection, pas élection, pas libéral fait pour mettre le monde sous pouvoir, mais que son élection qui est honnête, démocratique, ouverte et sincère, pas de problème. Parce que je dis à la sous-change Ariel Henry, qui sont besoin pour faire, qui tant a besoin de rond pour faire élection. C'est exactement 18 mois plus pour faire élection, oui. On ne peut pas faire élection avant 18 mois dans le pays. Non. Pour résoudre le problème de sécurité, ça vient là, par une gang qui vient envahir le pays. Sous Paris, le problème, ça, qui élection qu'elle fait là. Cependant, Ariel Henry n'a aucun intérêt dans détruire gang. Et le pire qui peut arriver à Haïti, c'est que force internationale après le Vina, il peut sécuriser les banques, il peut sécuriser l'aéroport, il peut sécuriser primat du palais national, les ministères, il ne peut pas aller dans la confrontation avec gang. Gang n'a pas été là, il y a un outil politique dans le monde qui mettait là, puis il a toujours connu ses consacres pour prendre pouvoir. Et c'est ça le sort, le malheur, la malédiction d'Haïti que M. Sao vient renforcer là depuis que le président
assassiné le 7 juillet. Je dis à vous, on comprend bien ce qui passé dans le pays la nuit 6-7 juillet. Merci un peu, Clarence Renoir. Dieu seul et Johnny et Adjani, nous avons demandé une faveur. Faveur, c'est que nous avons un petit temps encore avec nous, l'un à disposer, pour que moi-même, pour ton contribution à réflexion qu'a fait dans le pays pour l'avenir. Parce que Haïti, pas de regarder sur Ariel Henry qui est là, je dis à là, mais nous devons garder plus devant qui ça nous prend à faire pour nous sortir pays à côté de là. Et quelle que soit notre position, nous sommes capables, quelle que soit notre capable comme initiative que vous voulez entreprendre, il faut qu'ensemble, nous gardions l'avenir d'Haïti. Comment pour nous récupérer jeunesse, nous mettre le travail, mettre l'école, mettre la profession. Comment pour nous créer confiance dans l'institution nous yo, pour que le pays soit capable de compter sous des gens qui sont plus formés pour nous construire une nation qui est prospère, qui est capable de protéger les citoyens là, pour ne pas quitter aller. C'est une demande formelle faire à nous-mêmes dans le Grand Boulevard pour nous capables de faire un petit temps pour nous faire réflexion comme ça. Merci beaucoup. Merci un peu, Clarence Redon. Alors, il y a une précision pour nous porter guerrier, même si la majorité est responsable dans les CARICOM, même yo renouveler peut-être volonté pour Ariel Bourad dans aider les concrétiser rêve liya ou bien dans aider le respecter nouvelle promesse ça nouvel engagement ça gain de l'autre dirigeant au niveau de région qui au même quoi jodia Ariel Henry pas solution idéale là ou bien Ariel Henry pas solution indispensable là solution obligatoire la guerre du seul parce que si on regarde eh bien gagner de l'autre autorité au niveau de la région par exemple on a parlé de Gaston Brown le premier ministre d'Antigua et Barbuda les mêmes ni clair nan quand c'est rencontre ça guerrier sorti dimanche pour arriver mercredi là les coups dur comme fer guerrier PM.